Jesus came. Il est né. He's born. Il est né pour toi et moi. He's born for me pour and que you. Nous soyons sauvés. So we can truly be pour saved. Que nous soyons rachetés. So we can really be pour saved. Que nous puissions être sauvés. So we can be saved. Alléluia. Jésus-Christ est mort à la croix. Jesus Christ died on the cross. Pour que toi et moi nous ayons la victoire. So me and you can have the victory. Mais avant qu'il meure, but before he died, il est né. He was born. C'est comme ça que le monde entier. That's why the whole world. Il célèbre celebrate Christmas. Amen. 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 Even though you don't believe in God. Vous savez, la naissance de Jésus, c'est une naissance victorieuse. You know, the birth of Jesus is the birth of victory. Pourquoi cette naissance est victorieuse? Why is this birth so victorious? Parce que à ce moment-là, il y avait un calendrier qu'on utilisait. Because this time was the time that we used to use. Et quand Jésus est né, and when Jesus was born, ce calendrier est parti de là jusqu'à zéro, et puis à partir de là, maintenant, on commence à avancer. And from there, we start to go forward. Amen. Amen. Et maintenant, nous parlons de 2020. And now we talk of 2020. C'est parce qu'il y a 2020 années depuis la naissance de Jésus. 28 since the birth of Jesus. Amen. Amen. Donc la naissance de Jésus c'est très significatif dans le monde. So the birth of Jesus is so significant in the world. Et ça mène un impact dans la vie de plusieurs familles. And it's brought an impact in so many families. Ça mène un impact dans les gouvernements. It's brought impact in the government. Et ça mène un impact dans les nations. And it's brought impact in nations. La naissance de Jésus Christ. The birth of Jesus Christ. Amen. Amen.